Bonjour et bienvenue pour ce 30e jour de road trip. On est toujours à Bradford, on va partir ce matin. Et là, on commence par prendre un bon petit déjeuner, typique des motels où on peut prendre un yaourt, une gaufre, du pain, banane. Le thé, par contre, on le fait nous-mêmes parce qu'en général, il est juste dégueulasse. Et après, on est parti pour une grosse journée de moto et on va commencer en faisant un ride avec des motards d'ici. Donc ça va être la partie sympa avec normalement des virolos et des chemins sympas, passage par un barrage, etc. Et puis on va bien remonter vers le nord pour direction Corning avec au bout un musée un petit peu exceptionnel, mais on vous en dira plus un petit peu à la fin de la journée. Merci à Beverly de nous accompagner pour une superbe balade puisqu'on part de Bradford en fait, et comme vous voyez on est en pleine région forestière nationale de Allegheny, et donc on va faire toutes les petites routes qui sont par là en allant jusqu'à l'overlook de Rimrock, en allant également sur le gros barrage, en remontant tout le réservoir, en remontant par le nord, parce qu'ensuite après on ira tout simplement vers les Finger Lakes et donc dans le nord de l'état de New York. Chaud. Moi aussi, je suis trempé. Il fait frais donc. J'aurais pas dû mettre du coton. On a fait de la moto et ce qui est encore plus sympa, c'est de faire de la balade avec des amis. Et donc j'ai Beverly, Bill, Dwayne, Tom et Jim pour faire une grosse balade de un peu plus de 250 km aujourd'hui le matin. Après on ira sur Corning, mais ils ont été super sympas pour nous accueillir. Là on s'est arrêté au niveau du barrage de Kinzua, mais surtout on traverse toute la forêt d'Allegheny qui est juste superbe avec des petites routes, personne sur la route, donc un vrai plaisir et une vraie balade à faire, d'autant plus qu'on est en train de se rapprocher des grands lacs américains où vous nous avez suivis l'année dernière, et notamment on est très proche du lac Erie.
250 km de balade ce matin, 250 km de route après normal pour remonter jusqu'à Corning, mais un petit peu vers l'est. Et puis ben voilà, on est à Corning, la toute petite ville. Et alors là, c'est original parce que là, on dort ce soir. En fait, on a pris nos clés au burger là. Donc en fait, ça sent la frite et le burger. Et on a la clé de la chambre, donc on va découvrir un peu à quoi ça ressemble. On est désormais à Corning. Corning ne vous dira peut-être pas grand-chose si on parle de la ville. Si on parle de l'industriel, pour ceux qui ont trait à l'optique, cela vous dira déjà beaucoup plus de choses, puisque la société fête actuellement ses 150 ans. Et au-delà de ses 150 ans, c'est 150 ans d'innovation. La société a d'abord commencé par créer du verre pour aller jusqu'à aujourd'hui des techniques d'innovation allant jusqu'à la fibre optique. Et c'est dans la ville de Corning, le même nom que la société, que l'on peut découvrir un énorme musée qui permet de retracer l'histoire de la création du verre depuis 2600 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie jusqu'aux dernières innovations dans l'espace et dans la réflexion de la lumière et l'utilisation de la lumière à travers le verre. À travers ce musée, on peut imaginer que c'est juste un musée historique sur le verre. C'est loin d'être le cas, parce que c'est effectivement une des parties de ce musée. L'autre partie est entièrement consacrée aux artistes contemporains et à tout ce qui peut être fait en verre aujourd'hui. Mais ce qui est encore plus intéressant et peut-être la partie la plus tactile de ce musée, eh bien c'est la partie atelier où l'on peut voir la fabrication du verre avec toutes les techniques liées à cela. Et pour ceux qui ont envie de comprendre mieux, eh bien il est tout simplement possible également de participer à certains ateliers où c'est vous qui allez souffler le verre et créer les formes que vous voulez pour repartir avec. La petite ville de Corning est très sympathique à visiter et entre le centre-ville et le musée Corning, vous allez passer obligatoirement par le Centerway Bridge, surtout si vous avez l'intention de le faire à pied. Un pont construit en 1921 et fermé à la circulation uniquement sous l'ère de Reagan et qui devient donc aujourd'hui possible de faire à pied et surtout avec un magnifique coucher de soleil sur la rivière, donc une occasion supplémentaire de se détendre le soir. Au cœur des 13 colonies, on est au cœur de la vraie musique, on est au cœur aussi du vinyle. Et ce qu'il y a de magique dans toutes ces villes-là, c'est qu'on trouve un certain nombre de disquaires. Et là, ce disquaire-ci, eh bien, il a changé de vie. Il veut une vie plus relaxe et il veut oublier complètement aussi le streaming. Avant, il avait un restaurant de 200 places qu'il avait stressé, qu'il a conduit à avoir une opération du cœur. Maintenant, il n'est pas retiré, mais voilà, il se remet sur ce qu'il a connu dans sa jeunesse et on trouve un certain nombre de vinyles des années 60-70 dans un état extraordinaire pour quelques dollars.